Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, quasiment un unboxing, en tout cas une présentation de produits. C'est quelque chose que je voulais vous montrer. On n'est pas sur un partenariat, malheureusement, malgré qu'on ait plus de 1000 abonnés. Je suis vraiment désolé pour vous et pour moi, parce que je gagne pas un péco dessus. Mais en tout cas, on se retrouve avec le petit déballage et le petit descriptif de ce système-là, le Black Pearl Camp Kit, qui est franchement plutôt couillu en termes de nom, ça a de la gueule, on va pas se mentir. Donc, pour les plus expérimentés d'entre vous et pour les moins expérimentés, la marque Light My Fire en Sweden, c'est une très bonne marque. C'est vraiment une marque qui propose ce type de couteau-là, les Mora. Donc, c'est des couteaux qui payent pas de mine, mais qui coupent d'une force. Je vous garantis que ça vous découpe les doigts, j'en ai malheureusement fait les frais, mais c'est quand même positif, c'est quand même bien aiguisé. Et là, on se retrouve pour un kit que j'ai trouvé en mode sport 2000 et tout. C'est ce genre d'équipement est toujours fabriqué en Suède, hein. Mais c'est la bonne cave. Donc en fait, vous vous trouvez là sur un équipement où en fait de base, vous pouvez surtout acheter tout ce qui est le couteau Mora. Mais là, on est sur un kit avec un bout de bois, donc plein de sève, ultra punchy pour démarrer un feu. Et un fire steel intégré. C'est quelque chose qui me faisait personnellement très envie depuis des années. Je recherchais ça, j'hésitais à l'acheter en ligne et je me suis dit, putain, je suis tombé dessus hier. Franchement, bon kiff. On va bien s'amuser sur ça. C'est surtout pour avoir un couteau dans ce style-là dans la voiture. J'ai les couteaux, j'ai les briquets et tout, mais j'ai pas de couteau et tout dans la voiture. Donc c'est l'occasion. Donc voilà, le couteau en tant que tel, édition Black Pearl. Hein, on est sur quelque chose, une belle édition limitée des familles, et moi je kiffe ça. On est sur un beau gris, presque violet, retour argenté, Light My Fire, comme vous voyez. Donc voilà, en Light My Fire, donc comme vous le voyez, on a un petit effet reflet, bien sympa. Vous le décochez, c'est assez serré. Et voilà, vous retrouvez avec ce genre de lame. Alors d'habitude, on n'a pas le petit bout là, le petit reflet supplémentaire ici. Mais on est toujours sur du très très beau matos, très joli, comme vous le voyez. Donc on est sur tranchant des deux côtés. Et l'idée, c'est toujours d'avoir un petit fire steel avec soi. Donc ça, c'est le principe. Et en gros, vous avez le petit manche, vous le tournez à votre droite. Il y a un petit cran et vous le sortez. Et là, vous avez le petit fire steel. Bon, certains peuvent trouver ça kitsch en mode, ouais, bon voilà, c'est sympa, mais bon, j'ai mon Mora, mon fire steel à l'écart et tout. Ouais, c'est clair, mais si jamais, imaginons, tu tombes dans l'eau, tu te blesses, tu fais une chute et autres, que tu as ton fire steel à la main et que tu le perds et que tu le retrouves pas, bah t'auras pas l'air con. Alors que là, au moins, si jamais tu tombes avec le Mora, il est clipsé, t'as en mode Umi Dragon, bon, ça, hein, c'est toujours... L'idée est bonne, mais il n'y a pas assez de matière, et moi, c'est ça qui me dérange, enfin, c'est toujours un peu limite. Mais en gros, pour les nouveaux, à chaque fois que vous achetez un fire steel, donc ça, c'est tout en noir. Si jamais vous commencez à gratter, bon, là, ce que j'ai un peu fait fort, mais il y en a certains, quand vous grattez, la partie noire est vraiment très épaisse et vous avez vraiment besoin de gratter un moment pour enlever toute la couche et pour avoir qu'une partie un peu argentée, blanche, qui apparaisse. Et après, vous gardez le Mora, donc du côté, pas de la lame, hein, du côté dur, là où ça coupe pas. Vous le mettez face à vous et... les étincelles. C'est le principe simple de ça. Et l'avantage de ce kit-là, c'est surtout que quand vous avez ça, vous avez le petit bout, si j'arrive à le sortir, ceci, qui est un bout de bois full sève. Vraiment, ça, c'est le genre de choses. Vous en faites des petits copeaux, il y a plein de vidéos, mais n'hésitez pas à me demander si vous avez envie. De toute façon, ce sera intégré juste derrière, donc vous n'aurez même pas le choix de regarder. Mais en gros, vous faites des petits bouts, fire steel par-dessus, et normalement, ça prend vraiment assez simplement. Il faut faire des mini-bouts, mais dès que tu as la méthode, ça va tout seul. Et le dernier avantage de ce genre de couteau, donc pas forcément l'édition comme ça, en édition limitée et autres, mais l'avantage des Mora, si vous ne connaissez pas, c'est qu'une fois qu'ils sont rentrés dans la housse, ils ne bougent pas. Vraiment, vous pouvez le tenir en bas, forcer comme un zebé. Voilà, ça tient avec grand plaisir, et sur ça, on est vraiment bien. Vous avez toujours un clip ceinture ici qui tient bien comme il faut sa mère. Donc, vous avez du matos de qualité qui tient dans le temps avec un bon tranchant. Personnellement, j'ai pas essayé de l'aiguiser pour le moment parce que je m'en suis assez très peu servi, et même sur les autres Mora que j'ai pu avoir.
parce qu'il en existe en vert, en bleu, en marron, vous avez même en orange, en mode pistolet de détresse, enfin voilà. Donc à ce niveau-là, vous avez plein plein de choses. N'hésitez surtout pas à avoir un Mora chez vous, dans votre sac, dans la voiture, dans le sac des vacs, n'importe, ou même un peu partout, hein. C'est pas pour le prix que ça coûte en général, vous êtes sur les coûts de 10, 15, 20 balles, suivant les éditions, ce qu'il y a, la couleur et tout. Voilà, donc vous pouvez trouver ça en armurerie, en ligne, vous aurez le site internet dans la description, et également les pages Facebook que je gère, la page Facebook de Tétard Prévoyant, en description, enfin plein de choses, l'adresse mail professionnelle, si vous voulez me contacter, n'hésitez pas, c'est gratuit, comme pour vous abonner, comme pour mettre un commentaire, et comme pour liker la vidéo. Tout ça, c'est gratuit, les partages et machin. Donc, vous savez quoi faire. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Une prochaine semaine. Ciao !